Salut tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est avec Alex. Salut Alex. Aujourd'hui les mecs, vidéo très spéciale, vidéo exceptionnelle encore une fois. Et comme toujours, hein, vous le savez, je suis très content. Et donc vous le savez que ça faisait un moment que je vous parlais en vidéo. J'avais fait un appel et tout, je me disais, mon Dieu, qui va entendre mes prières pour qu'on ait un petit simulateur de bagnole. Et bien aujourd'hui les mecs, c'est Next Level Racing qui m'ont envoyé un simulateur de bagnole. Donc ça franchement ça va être super cool. Par contre va falloir le monter. C'est ça. Et c'est ouais. Notre level ça. Ouais bah ça tombe bien, c'est Next Level qui me l'envoie. Surtout n'oubliez pas le like les mecs. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous passez par là et tout, que vous passez un bon moment en notre compagnie bien sûr hein. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça c'est ça fait super plaisir. Donc c'est ça. Ciseaux. C'est ça aussi. Enfin, bien sûr, Alex, oui, évidemment, oui. N'oubliez pas le petit lien G2A, bien évidemment, pour acheter tous vos jeux vidéo préférés moins chers. Ça se passe dans la description. Le simulateur, d'un côté, ça, c'est pour tenir le clavier et la souris. Un support pour installer l'écran. Le truc, c'est qu'une fois que tout ça se sera monté... Ça va prendre de la place. Ça va prendre de la place, je pense. Bon, on va voir ça. Tiens, c'est bon. Voilà, impeccable. Nickel. Le wheel stand BD, les mecs. Tu le tiens? C'est bon. Yes. Putain, mon gars, c'est quoi ça? C'est un béquet pour mettre derrière? Tiens. Oh mon Dieu, Seigneur! Ah! On va au accroche-moi la gueule du truc, j'ai peur. Au premier? Au moment, ouais. Est-ce qu'il sort derrière? Donc, ça, c'est bien des 15 mm, tu vois. Ouais, mais ça, c'est l'étape 7, cochon. Ouais. Ça, déjà, ça va dans quel sens? Ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On a dû se planter quelque part parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il nous a pas dit de foutre ça, hein, mais... 4 x 8 x 20. Ça, c'est du siège baquet, hein. Ah, attends, ouais, par contre, les pédales, faudra y reculer. Je suis pas Sébastien Loeb, moi. Oh, ah. Quoique, je pilote même avec lui sur Forza. Cochon, bûche-toi, ça me fait les tendons, là. Ça doit se visser en dessous. Ouais. 2 M8, 15 mm. C'est costaud, cochon, hein. Putain, j'ai envie de faire un test, mais... Je serais fou à faire ça. Oula, oui. Ça, c'est costaud, mon gars. Ça bougera pas, gros. Mais si ça supporte mon poids, ça supportera le volant à l'aise. Ah bah ça, c'est pour bloquer les roulettes, en fait. Voilà. Ça, ça va aller comme ça. Après, oui, il en reste deux en dessous. Ah oui. Oui. Pare-brise réglable, en plus. Hein? Même le riz, il est pare-brise. Ah, c'est ça. Ouais, voilà. Là, il est peut-être un peu... Ouais. Hein? C'est à peu près, là. Ça, ça va être le support clavier. Joli. Ah, joli. Magnifique. Putain, il y a des cartons partout, cochon. Partout, les cartons. Putain, la clé Allen, elle s'est brisée. Mais je vais pas forcer, en fait. Putain, heureusement que j'étais pas en train de resserrer les disques de frein de ma bagnole avec ça, mon gars. Ouais. La clé Allen, net, cassée en deux, mon gars. En deux, la clé. Ok, let's go. Arrêtez ta sacoche. Bon les gars les filles, et bah du coup on a monté le simulateur. Et franchement c'est une tuerie. Je suis avec la petite Mercos là sur Forza 5. Mais franchement maintenant ce qui change, c'est pas ma conduite. Ma conduite c'est toujours la même hein. Je conduis pas mieux avec un simulateur que sur le bureau. Mais par contre du coup l'écran il bouge plus quoi, tu vois. Vu que l'écran est clairement séparé du simulateur. Avec Alex on a fait un putain de truc. Ça nous a pris combien de temps à monter tout ça? 5 heures à peu près. 4-5 heures à peu près, franchement, ouais. Et du coup, donc, ben, comme vous le voyez, hein, il y a le petit, donc, bien sûr, hein, le pédalier qui est vissé maintenant. Ça bouge plus du tout, hein. Claquette chaussette, Alex. Parfait pour conduire la petite 2.5. Donc, tout est vissé, en fait. Le volant, il est vissé.
La boîte, elle est vissée. Le pédalier, il est vissé. Donc à côté, ça, ça à part. Hein. C'est pour, par exemple, mettre mon clavier et ma souris ici. Ou alors mon clavier et mon café ici. Tu vois, voilà. Petit support écran. Donc support écran qui est complètement dissocié du simulateur. Hein. Justement, c'est pour ça que je peux bien, voilà, je peux bien tourner le volant et tout sans que l'écran ne bouge. Et ça, franchement, c'est cool. Et là, maintenant que tout est monté, ah là, c'est que du plaisir de conduite, les mecs. Là, les petits live Forza avec ça, Euro Truck, mon gars, je suis carrément dans la cabine du camion, là, tu vois. Il manque plus que j'accroche les dés, tu sais, genre sur le rétroviseur ou quoi, tu vois. Donc, bien sûr, comme d'hab, je vous mettrai dans la description le lien du site Next Level Racing. Et franchement, il n'y a pas un pet de jeu, les mecs, dans le truc. Bon, en même temps, on a serré ça comme des cochons. Ah, par contre, j'avoue, ma conduite, elle n'est pas forcément mieux. Je veux dire, avec un simulateur ou non, ça change rien du tout. Là, tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses, Alex? Faudrait que tu passes derrière le siège et que tu me bouges pour que j'ai style des vérins ou quoi. Ouais, voilà, là, je m'y crois, là, tu vois, dans les chemins. Tu peux... Ah, cochon, pas sur l'asphalte. C'est dans le volcan qu'il faut faire ça, cochon. Là, vraiment, tu te crois dans une vraie bagnole. Parce que, bah, du coup, t'as le levier de vitesse bah, qui est à hauteur d'une vraie bagnole, hein. T'as le volant qui est là, donc bien sûr tout est réglable, hein. Je pourrais le monter un peu. Les pédales ça bouge pas. J'ai pas de câbles maintenant qui vont m'emmerder entre les jambes et tout. Ça c'est vraiment, c'était problématique. À chaque fois il y avait les câbles qui me passaient entre les pieds et tout. Regarde mon siège baqué là un peu là. Montre-leur mon siège baqué là. Ça c'est du siège de compète mon gars. Là ça va y aller les lives avec ça. Faut juste que j'achète un petit adaptateur DisplayPort. Parce que pour l'instant je peux pas live comme ça en fait. Vu qu'il est branché sur une télé. C'est même pas un écran de PC hein. C'est une télé que j'ai mis dessus hein. Alors aussi tant que j'y suis les mecs, parce qu'en ce moment j'ai repris un petit peu le GTA RP. Je joue sur le serveur Bryland. Donc n'hésitez pas à venir sur le serveur. Et vous m'y croiserez forcément à un moment donné. Oh là là, et regarde ça Alex. Regarde ça mon gars. Oh putain. Je suis parti en cacahuète avec la 205 mon gars. Alors bien sûr j'ai pas trouvé d'autre place où le mettre hein. C'est à dire que ça prend un peu de place quand même cette installation. Et du coup bah il sera dans le décor quoi. Bon après j'ai regardé et franchement ça fait pas tâche quoi. J'ai juste un simulateur de bagnole dans le décor. Oh là là, on est bien installé de ouf mon gars hein. Avec le siège baqué mon gars. Non eh, franchement sans blague, même sans siège baqué ça passe nickel mon gars. Et franchement même avec le retour de force et tout, moi j'aime bien jouer avec le retour de force à donf hein. Et je vous jure ça bouge pas les mecs, y a pas un pet de jeu. Bon les mecs, on va se laisser là sur la super conduite d'Alex. Je vous laisse avec cette superbe épingle que tu vas prendre à la perfection, bien sûr, Alex. Oh ouais, plus ou moins, plus ou moins que plus. En tout cas, vraiment, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et là, vraiment, oh, ça va donner les mecs hein, pour les live Forza, Euro Truck et tout. Là, je serai dans ma petite cabine de camion. Je vais essayer de faire quelque chose, installer une petite caméra et tout, trouver une petite vue sympa. En tout cas, n'oubliez pas, si ça vous a plu, le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller checker le site internet de Next Level Racing qui se trouve dans la description, les mecs. Nous, on se dit à bientôt et ciao tout le monde. Ah, il y a du pilotage, hein. Plus ou moins. Plus moins que plus. Mais il y a du pilotage.